exposition nature morte mise à jour. La façon dont j'ai interprété la commande, si on veut, j'ai poursuivi un peu la même démarche que je fais habituellement, donc travailler à partir des notions de paysage, des notions d'espace, de site, d'emplacement, et puis ce que j'ai trouvé intéressant dans l'idée de la nature morte, ça m'a permis de représenter un lieu très précis qui est un peu immuable, c'est-à-dire que je fréquente occasionnellement et qui se transforme très très peu, dans lequel il n'y a pratiquement aucune altération. Et puis ça vient un peu plus des lieux de recueillement et puis de la façon de les aborder puis de me présenter à celui-là, sur ce lieu-là. Well, you know, looking at it, I cannot help but ask you, who are your influences in the history of art? Because I have my idea of who your influences are, but it would be interesting to hear from you. Well, for one, Robert Rauschenberg. Yes. Robert Reardon. Yes. Two amazing collage artists. This combination of papers and painting and mixed media. Yes. So definitely. Yeah. Especially Rauschenberg. Yeah. Well, amazing. That's at least in my right memory. Yes. Right.